Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. C'est sûrement pas pour faire crier. C'est pour vous dire simplement que vous avez raison de vous laisser habiter par la paix et la joie du Seigneur. Car il a dit, 1000 peuvent tomber, mais qui est à l'abri de Lyon, qui est à l'abri du Très-Haut, est sûr qu'il est en sécurité. Donc, ça avait raison que nous devons nous laisser habiter, être habité par la paix et la joie que le Seigneur nous donne en ce matin, disposant notre cœur à écouter ce qu'il veut bien nous donner. Qu'il fasse, je prie le Seigneur, qu'il permette à chacun de recevoir et d'accueillir personnellement ce qu'il veut lui dire. Et qu'il donne au renouveau en son entier d'accueillir et de recueillir ce que le Seigneur veut bien lui donner en ce matin pour son œuvre dans ce pays, dans cette Côte d'Ivoire. Que son nom soit béni. Le Seigneur se glorifiera et il va le faire parce que sa joie, son bonheur, c'est que nous soyons dans la sécurité, c'est que nous soyons debout. L'homme, Dieu est heureux quand l'homme est debout. Dieu n'est jamais heureux de voir l'homme malheureux, malade physiquement ou spirituellement. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, a dit Saint Irénée, évêque de Lyon. On me l'a dit, le thème retenu pour moi, c'est bien. Quelqu'un me dit ça? Authentique. Merci. D'abord, je voulais saluer la présence des pères. Vraiment, ça me marque parce que j'étais président du deuxième congrès. Donc, j'ai connu ça. J'étais au premier congrès, deuxième congrès, je suis à mon troisième. Et aujourd'hui, il y a plein de prêtres, des hommes de Dieu, qui ont l'humilité de venir fortifier leurs fidèles. Mais en même temps, humblement de dire, mais on peut toujours apprendre pour être encore utile. Ça me réjouit de voir beaucoup de prêtres. Je les salue au nom du Seigneur. Alors, j'aurai trois mouvements de ma pensée. Premièrement, je vais quand même essayer, comme étant professeur, c'est quand même de donner un enseignement structuré, un peu organisé. Voilà. Même si le Seigneur parle dans tout, je voulais bien qu'on voit bien où on va et tout ça. Donc, premier mouvement de pensée, travailler aux œuvres de Dieu selon Jésus, d'après Saint Jean, chapitre 6, 28. Le Père Mambo en a parlé. Je le dirai plus loin. Tout le thème, c'est une démultiplication, un thème central pour qu'on parle, on reparle. On repart d'une certaine manière, de différentes manières, pour que nous partions ici enrichis. Donc, premier mouvement de pensée, travailler aux œuvres de Dieu, selon Jésus, d'après le texte de Jean 6, 28. Deuxième mouvement de pensée, là, je ne dis même pas les, la condition sine qua non, c'est-à-dire la condition sans laquelle on ne peut pas travailler aux œuvres de Dieu. La condition sine qua non pour travailler aux œuvres de Dieu, deux points, je vous dis en même temps, la condition sine qua non, deux points, accepter de recevoir et accueillir la volonté de Dieu
exprimé par le Saint-Esprit. Accepter de recevoir et accueillir la volonté de Dieu exprimée par le Saint-Esprit. Donc c'est le deuxième mouvement de pensée que j'aurai, ce que j'aurai à développer. Troisième mouvement de pensée, c'est davantage plus centré sur ce qu'on m'avait demandé. Je l'ai reformulé. Comment, au renouveau, travailler authentiquement aux œuvres de Dieu? Comment, au renouveau, travailler authentiquement aux œuvres de Dieu? Et comment travailler aux œuvres de Dieu pour un renouveau charismatique, catholique, authentique? C'est la même chose, ou presque. Je reprends. Comment au renouveau travailler authentiquement aux œuvres de Dieu? L'interrogation. Et comment travailler aux œuvres de Dieu pour un renouveau charismatique, catholique, authentique? Les mots sont pesés. Voilà. Alors, on y va. Pour le premier mouvement de pensée, j'ai oublié, c'est quoi? Travailler aux œuvres de Dieu selon Jean chapitre 6, verset 28. Question directe. Des gens qui ont mangé le pain multiplié à Jésus, qui leur parle et qui leur dit que je peux vous donner une nourriture qui demeure en vie éternelle. Il faut travailler pour cette nourriture. Question directe. C'est le passage que nous avons. Les gens lui disent, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Question directe. Réponse directe. L'œuvre de Dieu, répond Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce qu'on peut se comprendre? Comment faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est croire. Il y a travailler, puis croire. Il y a œuvrer et croire. Deux verbes qui apparemment vont s'opposer. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, croyez en moi. Et pourquoi Jésus dit cela? Jésus veut dire que moi, le Fils de Dieu, j'ai multiplié en ce jour devant vous du pain que vous avez mangé à satiété et pour cela, vous me suivez. Mais moi qui ai multiplié le pain pour vous, je suis celui qui est capable encore de vous donner autre chose, mieux que le pain que vous avez mangé. Un pain qui demeure en vie éternelle. Je vous ai donné le pain physique, mais je peux vous donner encore un autre pain. Je suis celui-là qui, si vous croyez en moi, vous aurez ce pain. Vous mangerez ce pain et vous aurez la vie éternelle. Bien sûr. Les interlocuteurs, Jésus, ne sont pas dupes. Ils voient, ils constatent le pouvoir réel, indiscutable de Jésus. Cet homme a multiplié du pain. Cet homme a un pouvoir réel, ils n'en doutent pas. Et ils sont même intelligents. Il s'est dit, mais un homme comme ça qui a un pouvoir comme ça, si on l'a, on en fait un roi, c'est fini pour nous. Le peuple juif a les Romains sur leur dos. En plus, ils peuvent ne rien manger. Mais c'est bien pour en faire un roi. Ils sont intelligents et calculateurs. Ils veulent s'en emparer. Et Jésus, le texte dit, il s'enfuit dans la montagne tout seul. Il n'accepte pas qu'on saisisse de lui pour en faire roi. Les gens ont vu les œuvres. Ils sont même disposés à accomplir des œuvres. Parce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus va leur dire, et je répète, ce que je vous demande de faire, c'est de croire en moi.
Parce que si vous avez croyé, vous croyez en moi, vous saurez que je suis Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Yeshua, c'est son nom, Dieu sauve. Celui qui sauve, celui qui est venu apporter le salut. Si vous croyez en moi, vous aurez le salut. Je suis celui qui sauve. Yeshua, croyez en moi et vous aurez le salut. Je suis venu apporter, faire l'œuvre de Dieu, c'est apporter le salut aux hommes. Apporter le salut et œuvrer aux œuvres de Dieu, c'est collaborer à l'œuvre de salut des hommes. C'est rentrer dans le plan divin de salut des hommes. C'est accepter de rentrer dans une logique. Sauver les hommes. Ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas vos péchés, ni mes péchés. Si quelqu'un se drogue, si quelqu'un a un péché caché, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas comment il va le mettre en enfer. Calcule déjà une fois, deux fois, il s'en fout. Ce qui intéresse Dieu, comment faire en tant que père et mère à la fois. Dieu est père et mère. Dans une paroisse américaine où j'étais, ils sont allés tellement loin qu'on dit « Our father and mother in heaven, Allah bin Anim » à l'église, notre père et notre mère le ciel. Dieu a une tendresse infinie de mère. Donc en tant que père et mère de tendresse, la préoccupation de Dieu, c'est comment sortir son enfant. Sortir son enfant de sa drogue, de son péché mignon. Est-ce qu'il y a un péché qui est mignon? Aucun péché mignon. Il est sale, il est mauvais. Il n'est pas mignon, il n'est pas joli. Mais son problème, c'est comment l'en sortir. Donc Jésus s'affiche comme celui qui est venu apporter le salut. Ce qui lui importe, c'est le salut. Et si quelqu'un veut collaborer à l'œuvre, c'est comment s'ajuster, comment coopérer à l'œuvre du salut. Autrement dit, il disait aux Juifs, et nous dit à nous, membres de nouveau, si vous voulez travailler aux œuvres de Dieu, rentrez dans la logique de coopérer au salut que je suis venu apporter. Moi, je m'appelle Jésus. Moi, je m'appelle Yeshua. Moi, je suis Dieu qui sauve. Ce qui m'intéresse, c'est votre salut. Voilà la première chose que je voulais vous dire. Jésus est préoccupé de nous dire l'œuvre de Dieu, c'est accomplir le salut. Et pour nous les hommes, si nous voulons travailler aux œuvres de Dieu, c'est coopérer à le salut. Rentrer dans le plan divin de salut. Faire ce que Dieu, lui, nous demande de faire pour que les hommes soient sauvés. Ce ne sont pas nos initiatives personnelles. C'est ce que lui, il voit qu'il nous demande d'accomplir. Paix et joie. Ça peut aller? On se comprend? So, I continue. And right now in English or French. You prefer French or English? Let's go on with French. Okay. Let's go on with French. Number two. Numéro deux. J'avais dit que je parlerais de la condition sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle, pour travailler aux œuvres de Dieu. Et j'ai dit deux points. Répétez pour moi. Accepter de recevoir et accueillir la volonté de Dieu. C'est tellement important. Et je voudrais nous aider à comprendre cela. Accepter de recevoir et d'accueillir la volonté de Dieu. En cela, vous voyez bien déjà, les œuvres de Dieu sont donc les œuvres de l'Esprit, c'est-à-dire les œuvres que le Saint-Esprit suscite, nous donne à accomplir et qu'il conduit dans leur réalisation. Les œuvres de Dieu sont les œuvres du Saint-Esprit, c'est-à-dire les œuvres que le Saint-Esprit lui-même suscite, qu'il nous donne à faire, à accomplir, et qu'il conduit dans la réalisation du début à la fin, le Saint-Esprit est là.
On ne peut pas faire une œuvre de Dieu qui soit l'initiative de quelqu'un qui fait ça comme il peut, comme il veut, jusqu'au bout. Non, c'est une œuvre reçue de Saint-Esprit qui est au contrôle, qui dit tu vas faire comme ça, tu obéis. Et il voit la réalisation, il conduit pour que tu réalises comme, je dis bien comme, il demande de faire. Pas comme ce serait bien qu'on fasse, comme je voudrais bien faire mieux que lui. Comme lui dit de faire. Et voilà pourquoi, dans cette réalisation de Dieu, travailler aux œuvres de Dieu, c'est donc accepter de faire ce que Dieu demande, c'est accepter de faire confiance à Dieu. Se confiance, c'est-à-dire se fier, se confier, s'en remettre à lui. C'est lui qui est Dieu. Dieu est Dieu, nom de Dieu. Il est Dieu ou non? Lui dit, c'est comme ça. Toi, tu as dit quoi? Je vais corriger un peu. Je vais rectifier un peu. Il y a des gens qui ont pris des risques comme ça. Je vous signalais tout à l'heure, des risques. Vous voulez corriger ce que Dieu a dit. Donc, Dieu dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, accepter de faire de Dieu, c'est rentrer dans l'obéissance, c'est lui faire tellement confiance, penser qu'il est à l'œuvre et qu'il continue, travaille lui-même à l'instauration du royaume. Malkouta, en hébreu. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire la souveraineté totale de Dieu sur son peuple. Lui-même travaille à ça. Et le royaume de Dieu a son principe de progression à lui-même, dans Marc chapitre 4, verset 16 et 16. Donc Dieu, sans nous, il travaille. Mais il veut avoir besoin de nous. Il ne faut pas leur dire, il ne faut pas leur faire croire que c'est nous qui faisons tout. C'est lui qui peut instaurer le royaume. Son royaume veut bien avoir besoin de nous. Et non pas lui donner l'impression que c'est nous qui avons l'initiative, qui vont faire mieux que lui. Alors, pour faire ce travail, il faut rester dans un esprit, avoir une disposition d'esprit, et je voulais convoquer plusieurs auteurs divins, plusieurs acteurs divins dans la Bible pour montrer ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Prenez le premier exemple. J'aurais pu demander à quelqu'un de lire, mais comme je vais couper, j'ai voulu garder moi-même. Prenons pour ceux qui ont leur Bible, l'Exode, quelqu'un peut dire l'Exode, que le Nouveau Testament de l'Ancien Testament. J'ai eu à faire l'Exode, j'étais responsable de la fonction des Bibles pour les laïcs à Sainte-Famille. Alors, je dis l'Exode toute l'année entière, mais quand on lit vraiment tous les 40 chapitres, on découvre des choses extraordinaires. Donc, pour l'instant, prenons le chapitre 40, verset 16 à 34. Nous ne lirons pas tout. Je veux vous montrer comment Dieu sait ce qu'il veut. Montrer que pour servir Dieu, première disposition d'esprit, savoir, se souvenir que Dieu a une volonté qu'il veut qu'on respecte. Première disposition d'esprit, dans la disposition, première disposition de choses, première chose, il faut savoir que Dieu a une volonté qu'il veut qu'on respecte. Voir Exode chapitre 40, verset 16 à 34. Alors, faire les choses comme Dieu veut. Alors, je vais dire, chaque fois que j'arrive à un comme, vous dites, vous êtes un. Vous allez compter après moi. Moïse le fit, il fit tout comme Yahvé l'avait ordonné. Il étendit la terre, il plaça la tenture sur la tente comme Yahvé l'avait ordonné. Il disposa avec ordre pain devant Yahvé comme Yahvé l'avait ordonné. En face de la tablette sur le côté de la demeure, il monta les lampes devant Yahvé comme Yahvé l'avait ordonné. Il fut fumé devant
dessus l'encens aromatique comme Yahvé l'avait ordonné. Il offrit dessus l'holocauste et l'oblation comme Yahvé l'avait ordonné. J'ai dû se dire quelque chose. Il s'approchant de l'autel, il se lava comme Yahvé l'avait ordonné. Par cette fois, le Seigneur, il est dit comme Yahvé l'avait ordonné. Vous savez le chiffre 7, c'est le chiffre de 3 marquant la divinité, le chiffre 3 marquant l'univers, donc c'est-à-dire la plénitude. Dieu dit, j'ai une volonté de faire les choses comme. Et quand nous faisons comme Yahvé a dit, la conséquence, c'est le verset 34 qu'il faut connaître. La nuée couvrit la tente du rendez-vous et la gloire de Yahvé remplit la demeure. Comme tout a été fait, comme Yahvé a voulu, la gloire de Dieu, Kabod, Kabod en hébreu, Kabod, la gloire de la présence de Dieu qui. Isaïe 5, quand Isaïe se trouve dans le temple, la gloire de Dieu se manifeste, et Isaïe tombe, il peur, il suis perdu, je suis un pécheur. Et la gloire de Dieu, quand on a tout fait, comme il avait dit, Dieu peut alors sereinement manifester sa gloire, établir, prendre possession de ce qu'il a demandé de faire. Mes frères, mes soeurs, vous me suivez? Deuxième exemple. Donc, premièrement, il faut savoir que Dieu a une volonté, il veut qu'on respecte. Deuxième exemple, toujours disposition à l'esprit. Dieu ne se laisse pas rouler. Dieu ne se laisse pas doubler. Il n'aime pas ça. Il a une volonté. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui voulait bien faire. C'est Saül. Au chapitre 15. Saül, au chapitre 15, versets 1 à 23. Excusez-moi, c'est le personnage de Saül. Mais dans... Excusez-moi. Samuel, parce qu'il y a la question de Saül. Samuel, donc vous suivez. Ah, you follow. So, it's good. Follow, ok? Thank you. Donc Samuel, 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 23. Là aussi, je n'ai pas donné à lire parce que je ne vais pas tout lire. Voilà que de la part de Dieu, Samuel dit à Saül, voici ce que tu vas faire. Donc nous sommes au verset 3. C'est 1 Samuel 15, verset 1 à 23. Et je vais découper. Voilà verset 3. De la part du Seigneur, voici ce que Samuel dit au roi Saül. Maintenant, va, frappe Amalek, voue-le à l'anathème. Ça détruit tout, brûle tout, tout. Avec tout ce qu'il possède. Le Seigneur dit dans le texte, hein, sois sans pitié pour lui. Tue hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tout. Ça y est, entendu, non? Verset 7. Saül bâtit les Amalécites. Il prit vivant Agag, roi de l'Amalek, et il passa tout le peuple au fil de l'épée en exécution de l'anathème. Mais, écoutez-moi bien, mais, quand il y a un mais, Saül épargna Agag. Et le meilleur du petit et du gros bétail, les bêtes grasses et les agneaux, bref, tout ce qu'il y avait de bon.
il ne voulut pas le vouer à l'anathème. Mais tout le troupeau vil et sans valeur, ils le vouèrent à l'anathème. Continue. Voilà que Samuel vient trouver Saül. Et lui dit de la part du Seigneur, pourquoi t'es-tu rué sur le butin et as tout fait ce qui déplaisait à Yahvé? Saül répondit à Samuel, j'ai obéi à Yahvé. J'ai fait l'expédition où il m'a envoyé. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai fait vouer Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a pris en petit et en gros bétail le meilleur de ce que frappait l'anathème pour le sacrifice à Yahvé. Il n'a pas dit non, j'ai pris les bons moutons pour faire mon pâturage à moi, un truc. Pour le sacrifice, pour l'offrir à Yahvé. Samuel lui dit, Yahvé se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et plus loin, à la fin. Parce que tu as rejeté la parole de Yahvé, il t'a rejeté. Saül, on lui dit, tu tues tout, tu prends rien. Lui veut bien faire, mieux faire que ce que tu as dit. Il a plus intelligent que Dieu. Au lieu de gaspiller tout, brûler tout là. Je peux prendre les bons là au moins pour l'offrir au Seigneur. Il veut bien faire. Résultat, on dit, tu n'es plus roi. Tu ne m'as pas obéi. Mes frères, mes sœurs, et si nous comprenons la scène qui est là, vouloir faire quelque chose pour Dieu, alors que lui-même dit, c'est ça et c'est ça. Dieu te dit, tu vas te marier. Il dit, non, moi prêtre, j'aime ça. Je vais faire prêtre aussi. Ah, mon ami, tu as discerné avec encadrement tout ça que c'est Père qui veut pour toi. Il dit, non, moi j'aime bien servir. Puis là, même, j'aime bien la soutane. Non, c'est pas ça, quand même. Mais voilà. Faire ce que Dieu dit et non pas ce qu'il me paraît bien de faire. Je continue. Mais on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Je prends l'exemple le plus fort, à mon sens, d'obéissance. C'est le cas de Jésus lui-même. Jésus, au Mont des Oliviers, chapitre 22, de verset 38. Je me suis trompé? I'm sorry. C'est Luc, I'm sorry. Et si fatigué, le vieux est fatigué un peu. Je veux tellement bien faire que je garde en même temps. Donc, Luc, chapitre 22, verset 38. C'est Jésus au Mont des Oliviers. Jésus arrive, tout le monde connaît ce passage, et dit à ses apôtres, restez ici, je vais un peu plus loin pour prier. Il se met à prier. Et le texte de Luc nous dit qu'il transpire du sang. Il a peur. Il tremble. Pourquoi il pleure? Pourquoi il tremble? Parce que Jésus, qui est Dieu et homme, réalise pleinement que l'heure est venue, il va mourir. Jésus a été tenté au désert. Mais sa plus grande tentation, c'est au Mont des Oliviers. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est moi qui le dis. Et je pense que théoriquement, ce n'est pas faux. Sa plus grande tentation, c'est au Mont des Oliviers. Parce que quand il a vu qu'il va mourir, quand il a vu apparemment la vanité de son sacrifice, il va mourir et puis le vieux Ponda va continuer encore. Quand il dit vieux Ponda, je parle de chacun de vous, je parle de chaque prêtre, je parle des membres de nouveau, des bergers, des super bergers, des mamans, chacun de nous. Quand il voit que chacun de nous va continuer à faire n'importe quoi, quand il va voir que les gens, il va mourir, les gens vont faire la guerre, vont se tuer, il dit, mais Seigneur, mon Père, à la limite,
Est-ce qu'on ne pourrait pas sauver ces imbéciles? Lui n'a pas dit ça, hein? Ces imbéciles en changeant le plan. Dieu est tenté, Jésus est tenté de rectifier le plan. Le plan qu'il avait avec le Père et le Saint-Esprit. Tu descends et toi tu meurs. Soudainement, il dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même sauver ces gens-là? Sans que ce soit nécessaire que je meure. Après tout, c'est nous qui sommes offensés. Donc on peut laisser tomber sans que je meure. Jésus tentait de négocier. Mais, fils de Dieu, et Dieu dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, c'est-à-dire ce que toute la Trinité a décidé. On ne change pas les plans. Voilà, rentrer dans la volonté de Dieu, accepter ce que Dieu nous demande, quel que soit l'invité, quel que soit le problème, en sachant, voilà ce que Dieu voulait et veut qu'on fasse, et on reste dedans. Mes frères, mes sœurs, on se comprend? On prie, comme le temps peut manquer, je suis bavard, on peut donner deux exemples, des gens, la Vierge Marie, une jeune fille, 15 ans, 16 ans, qui avait son projet de mariage, il connaît même son mari, Joseph, il était comme une jeune fille, j'aurais un enfant, deux, trois, quatre, elle comptait déjà. Et puis, on arrive un bon matin pour lui dire à la nuit, ton mariage s'est annulé. Parce que, mais elle ne répond pas, Luc 1, verset 38, elle ne dit pas, bon, j'ai compris, je vais voir ce que je vais faire. Elle dit simplement, qu'il me soit fait selon ta parole. Moi, je dis quoi? Toi, tu dis que. Moi, je dis quoi? Obéir, rentrer dans le plan de Dieu. Et des hommes respectables que nous pouvons admirer. Mère Teresa, qui à Calcutta va se dévouer aux plus pauvres, aux gens qui meurent dans la rue. Jean Vanier, professeur au Canada de philosophie, va fonder l'Arche. Dieu lui dit, laisse ton travail de professeur, fais autre chose. Il rentre dedans. Sainte Thérèse, enfant Jésus, j'étais à Lisieux, dans son cloître, aurait voulu aller partout, évangéliser dans le monde. Le Seigneur dit, c'est à Lisieux. Tu es rentré à 15 ans, à Lisieux. Tu restes à Lisieux, tu ne sors pas jusqu'à ta mort à 24 ans. C'est tout. C'est simple. Elle sera proclamée patronne des missions. Elle n'est jamais venue en Côte d'Ivoire. Elle n'est jamais partie en Inde, aux États-Unis. Patronne des missions à l'intérieur de son cloître. Elle a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et non parce qu'elle aurait aimé faire pour Dieu. Ok? Voilà, frères et sœurs, j'ai tendance un peu long, il ne faut pas. Je m'oublie dans l'heure. Voilà les deux points que je voulais développer avec vous. Je crois que c'est la même chose qu'on répète avec œuvre de Dieu. C'est la même chose. Il faut comprendre que faire de Dieu, c'est rentrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons donc voir le troisième mouvement de pensée. Comment, au renouveau, travailler authentiquement aux œuvres de Dieu? Et comment travailler aux choses de Dieu pour un renouveau charismatique, catholique, authentique? Je vais parler de ça en réfléchissant avec vous sur des points et en soulevant des problèmes pour que nous continuions à réfléchir. Je n'apporterai pas la solution, mais bien sûr, à travers la manière dont je réfléchis sur un problème, pour deviner déjà un peu ce que j'en pense. Mais c'est surtout pour moi, identifier des problèmes, des aspects de nos pratiques qui posent problème, les montrer comme problème et les aider à réfléchir. Donc par rapport à ce grand 3, c'est ça. Mais, pour encore la démarche plus pédagogique et plus claire, il faudra distinguer, se situer à deux plans. Le plan individuel et personnel des membres dans le courant charismatique. Et puis le plan du courant lui-même en entier. Si on considère les membres qui sont, qu'est-ce qu'on peut dire? Et si on considère le courant entier, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il y aura deux plans sur lesquels je vais tourner notre regard. Le premier plan, plan personnel et individuel pour les membres du renouveau.
travailler aux yeux de Dieu revient à s'inscrire dans deux logiques. Deux logiques. Le numéro un. Accepter de faire la volonté de Dieu et seulement la volonté de Dieu. Deux logiques. La logique d'accepter de faire toujours et seulement la volonté de Dieu. Je veux l'expliciter tout à l'heure. Deuxième logique, la logique d'un Dieu puissant qui s'affirme dans la faiblesse. La logique d'un Dieu puissant qui s'affirme dans la faiblesse. Si on veut travailler aux œuvres de Dieu, au niveau personnel, il faut s'inscrire dans deux logiques. La logique de faire toujours et seulement la volonté de Dieu. Deuxièmement, la logique d'un Dieu puissant qui s'affirme dans la faiblesse. Alors, on va développer dans la faiblesse. Faiblesse. Weakness. Faiblesse. Je suis faible. Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ok. Donc, voyons le premier cas, la logique de toujours faire et seulement la volonté de Dieu. Pour en parler, il faut prendre l'exemple sublime de celui qui parfaitement a fait cela. Il s'agit d'un certain Jésus, fils de Nazareth. Fils de Dieu, fils de Marie, fils de Dieu. Voilà ce qu'il dit, il a fait écrire à Saint Jean, au chapitre 5, versets 19 à 20. Il dit, je reprends, Jésus reprit donc la parole et il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Et ce que fait celui-ci, il le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci à vous stupéfier. Autrement dit, simplifions. Jésus dit, moi-même, fils de Dieu, je ne fais que ce que mon Père me montre à faire. Je rentre dans ce que mon Père dit de faire. Ce qu'il fait, que je fais. Voilà. Donc, je voulais donner cet exemple pour rentrer dans la logique de faire toujours et seulement ce que Dieu fait. Dieu demande de faire. Ça veut dire que pour nous, renouveau, nous ne pouvons rien entreprendre qui ne soit reçu et accueilli de la part de Dieu. Tout en cherchant le discernement nécessaire pour voir si c'est bel et bien Dieu qui demande cela. Voilà la première idée. Deuxième idée, la logique d'un Dieu puissant qui s'affirme dans la faiblesse. Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, naît tout petit enfant, est présent, apprend à devenir Dieu, je dis bien, apprend à devenir Dieu. Parce que quand il avait 2 ans, il ne savait pas forcément que j'étais Dieu. La preuve dans la Bible, quelque part, on le touche, il dit quelqu'un m'a touché, une force est sortie de moi. Donc c'est de manière pédagogique que même lui, apprendre tout doucement à découvrir qu'au fond, il est Dieu. Il faut se sortir de moi. Vous comprenez? Bon, bref, lui, Dieu,
petit enfant, parmi les enfants, parmi les hommes, on l'attrape, on le chicote, on le frappe, on le pend sur la croix comme un vulgaire petit bandit de la rue. On le met nu, attention, les chrétiens n'ont pas supporté, mais chez les Romains, mettre en croix ton zizio dehors. Les chrétiens ne supportant pas, on lui a mis cachesse. Mais la vérité historique, c'est que les gens qu'on tue comme ça, on t'enlève tout, zizio dehors. Donc c'est une honte, on a honni Jésus. C'était fait pour le honnir. Voilà, comme rien du tout, ce Jésus. Dieu qu'il est, devenu tout petit, rien. Je voulais dire, mes frères et mes sœurs, une chose qui m'importe. Parce que le Père m'a parlé, que faut voir les choses. Ce Jésus-là n'a jamais fait de démonstration de puissance par Goriole. Jamais. Quand il ressuscite la fille de Jaïr, il vient en compassion. Quelqu'un perd son enfant, il vient, il veut sauver de la misère. Il vient au secours de la détresse de quelqu'un. Quand il ressuscite la veuve de le fils unique de Naïm, c'est pour venir au secours. Une veuve éplorée qui pleure, il sauve. C'est pas par bravade. Quand il ressuscite Lazare, c'est pour que les gens voient qu'il aime, comme vous regardez, comme il aimait, et il pleure. Qu'est-ce qu'il fait encore? Quand il marche sur les eaux pour montrer que je marche sur la puissance du diable, parce que la mer chez les Juifs, c'est là, il y a le diable, il n'y a rien. Je puis, je marche dessus, tout ça. Venez, je marche, venez, je marche avec eux. Les gens veulent le prendre, ils sont au bord. Tout ça pour montrer que c'est lui qui est là pour le sauver. Et quand à Cana, il fait le miracle du vin, de transporter l'eau en vin, ce n'est pas pour se montrer. Il voit un couple chez les Juifs, en plein mariage, il n'y a pas vin. Hey, quelle honte! Quand maman Marie se rend compte, il dit à son petit, ils vont avoir honte. Maman, il faut laisser. J'ai compris. Bien sûr, dans le texte, on dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et comme les gens ne savent pas lire, Jésus, qui a dit qu'il me convainc de péché, il y en a qui dit, mais voilà, il a honni. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu as quoi pour moi? Et puis il dit, femme, mais moi je suis apollonien. Chez nous, un jeune homme de 30 ans et de mon âge peut appeler sa femme, sa maman, femme. Et allez, une dame que j'avais dit, allez, cordier, tu es comment? On dit, allez, ça dit femme. Ce n'est pas une insulte. Quand tu respectes quelqu'un même bien, que tu connais très bien, tu dis, allez, ça se dit. Bien, Jésus n'est pas sa mère. Bien sûr, Jésus a entendu. Et il va faire pour ce peuple, pour ce couple, qui est la foule, qui devait avoir honte, il vient au secours. Quand il multiplie le pain, les gens l'ont suivi, veulent le suivre encore, ils ont faim pour les nourrir, pour... Il a plein de compassion, il vient. Donc il ne fait pas par glorieux. Il reste toujours le Dieu, petit en esprit, qui lorsqu'il organise, quand il fait des prodiges, des prouesses, des miracles, des guérisons, c'est toujours dans son plan de salut, de sauver l'homme, les hommes, tous les hommes. Vous comprenez? Donc, ce Jésus ne rentre pas, il est grand, mais il se fait petit. Il se fait petit. Et quand, après l'application du pain, on veut s'emparer de lui pour le faire roi, il s'enfuit, le texte écrit dans, il s'enfuit dans la montagne tout seul. Il fuit. Voilà notre Jésus. Voilà notre Dieu. Comment il se comporte. Or, nous, membres du renouveau, chacun de nous peut recevoir des grâces, des dons, des ministères, des responsabilités
qui le propulse en avant, qui le mette au devant de la scène, de la paroisse, de l'église, peut-être même dans le renouveau national, diocésain ou international, ou dans le monde. Il est mis devant. Première préoccupation et question que je pose. Ah, me dit qu'il me reste 10 minutes. Hein. Je pense que ça va aller. Comment et que faire personnellement pour ne pas se proposer ou pour ne pas prêter le flanc à des gens prêts à nous faire roi. Roi jaloux de la parole de Dieu. Roi jaloux de la délivrance, de la libération, de la guérison. Roi du spectacle d'évangélisation. Roi de cette semaine. Roi des retraites, de Sénac. Roi de la parole de connaissance. Roi de. Problème encore. Comment et que faire pour que je ne devienne pas ou n'apparaisse pas comme une vedette connue, reconnue, admirée, réclamée, devenue personnage indispensable, même au renouveau. Comment faire pour que je montre pas, je ne cherche pas à tout prix à monter et à me montrer grâce à des artifices, à des subterfuges et à coup de quel est le temps de à coup de à coup de démonstration de puissance pour qu'on voit c'est lui, ce frère tel qui est, qui fait. Comment faire pour que je ne cherche pas à travers tout ça à faire ma propre promotion. Ma promotion. Et je dis, pardonne-moi s'il y a des souffrances dedans, pardonne-moi. Vraiment, les frères, restez dans l'humilité. Berger, tu dois rester dans l'humilité. Restez dans l'humilité. Et vraiment, on est plus un berger. En notre temps, à l'époque, on ne parlait pas du berger. Tu étais berger, mais on n'appelait pas berger. Je ne me suis jamais entendu parler berger Nda. Voilà. On disait à l'époque le frère Nda. Mais toi, c'est l'époque, c'est ça. Il n'y a pas de problème. À l'université aussi, je ne me suis jamais appelé docteur Nda. Je suis docteur depuis 1973. Il fallait que je sois professeur titulaire, qu'on devienne professeur Nda. Et maintenant, les jeunes, quand on est docteur, on appelle docteur Nda. Maintenant, ça change. Donc, on accepte. Mais ne montez pas les grades. Vraiment, pour les renouveaux, et je vous en prie. Ne devenez pas maman et papa. Écoutez! Dans la Bible, on dit, tu n'appelleras personne papa. Les pères, on les appelle papa, on accepte. Mais que les membres de nouveau n'arrivent pas à se mettre à se faire maman berger, papa berger. C'est quoi ça? Arrêtez ça! Il y en a qui ont besoin de renouveau pour monter. Si la vie professionnelle n'a pas réussi, ils ont trouvé le renouveau. Il y a un endroit pour. J'ai trouvé quelqu'un jeune qu'on a amené dans le groupe des anciens de prière, parce qu'on a un groupe des anciens de prière, on se réunit tous les mois. Quelqu'un l'a amené, il était berger X. J'ai dit, mais tu es berger de quel groupe? Il dit, attends, moi je n'ai pas de groupe. Hein. Mais comme j'ai prié pour les gens, on m'appelle berger. Sinon, il est un berger. Aïe. Il n'a même pas de groupe, mais il est berger. Mais un berger, c'est quelqu'un qui conduit un troupeau. Mais il est berger. Et il nous a donné un problème, enfin, on ne peut pas tout dire. Donc, c'était au niveau, au plan individuel. Maintenant, si on se situe au plan du renouveau global, comment travailler aux heures de Dieu? J'ai dit que ce courant a besoin de se renouveler dans sa disposition d'esprit et dans sa pratique adoptée. Il a besoin de réapprendre à tout recevoir et accueillir de l'Esprit Saint. Je voudrais, pour bien illustrer ma pensée, m'arrêter sur quelques points et pratiquer le renouveau. Réfléchir à haute voix sur ces points et soulever les problèmes pour qu'on puisse tous continuer de réfléchir.
Premier problème, et premier exemple, n'est même pas un problème, c'est un exemple que je vais donner. Un exemple bon du bureau national. Un exemple exemplaire pour le bureau national. Le bureau national était empêtré, empoisonné par le problème des statuts et règlements intérieurs qui auraient pu faire l'objet central du troisième congrès. Ils ont plié. Ils ont supplié jusqu'à ce que le Seigneur leur fasse accueillir, voir que ce qu'il leur demande, c'est travailler à l'orientation globale du renouveau. Redonner notre souffle sur un axe central du renouveau. Les statuts et compagnie ne sont pas une association. Se faire une association, on dépasse au ministère de l'Intérieur. Le ministère a le droit de dire tel élément enlevé. Pendant vous priez en langue. Dites non, nous on ne veut pas au ministère, on ne veut pas enlever. Statut et règlement intérieur, non. Le ministère doit approuver. Ce n'est pas notre préoccupation centrale. Et les membres, les bureaux vont voir bien qu'on a besoin des règles de vie. Mais le renouveau n'a pas été organisé, le congrès n'a pas été organisé, sûr. Mais ils ont été attentifs de recevoir la part de Dieu, œuvre de Dieu. Avec ce qu'on vit, ce qu'on découvre, comment aider le renouveau à voir que ce que Dieu lui demande, c'est d'accepter de la part de l'Esprit Saint ce que lui demande de faire et de faire ça sans qu'on veuille faire des choses pour Dieu, pour arranger mieux Dieu, etc. Et je loue que le Saint-Esprit ait permis au Bureau national de rester dans la docilité. Je dis ça pour qu'on les félicite. On n'a pas besoin d'applaudir, mais je soulignais ça comme un élément positif. Deuxième chose que je voulais évoquer, l'assemblée de prière, ou groupe de prière. Je voulais certainement les choses dessus. En principe, une assemblée de prière, c'est quoi? C'est des frères et des sœurs que le pasteur demandait se réunissent. Pour faire quoi? Ce n'est pas une évangélisation. Pauvrement, ils se réunissent pour prier, pour chanter, pour louer, pour adorer Dieu et parler à Dieu et écouter Dieu leur parler autour de sa parole. Une assemblée de prière, c'est ça. Comment ça s'explique aujourd'hui? Comment ça s'explique aujourd'hui qu'on arrive à l'assemblée de prière où on a un joker, quelqu'un one man show, qui a le micro, qui prie, qui exhorte, qui prêche tout seul? C'est quoi ça? De quoi s'agit-il? S'agit-il d'un groupe en prière qui est venu prier pauvrement? On prie, on loue Dieu, on partage la parole de Dieu, tour à tour, on voit bien ce que Dieu veut nous dire. Et on prend acte de ce que Dieu nous dit. On n'est pas venu à une évangélisation pour que quelqu'un prémière donc cette préoccupation. Comment ça s'explique que la prière peut virer à un signe de délivrance, de guérison, et tout ça, on est venu prier. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que je voulais souligner encore concernant l'assemblée de prière? Et en principe aussi, dans le groupe de prière, le rôle crucial et premier du berger et du noyau, c'est de discerner la prière, de discerner les paroles, de discerner ce que la prière des uns et des autres, de discerner ce qui est dit par chacun des autres, et de voir, de percevoir le fil rouge. Le berger et le noyau, dans la prière, sont chargés de percevoir le fil rouge, c'est-à-dire quel est le message qui se dégage. Depuis cette science ou depuis plusieurs sciences, Dieu est en train, Dieu se débat. Il veut nous dire ça. Mais on n'a pas le temps de l'écouter. On a nos charismes exercés, on veut guérir, on veut prier, on veut évangéliser, on s'excite. Mais Dieu lui dit quoi? Est-ce que dans nos groupes de prière aujourd'hui, le berger, le noyau, sait et pratique à l'habitude d'un discernement d'un groupe qui prie au point qu'au bout de la prière, il est capable, le noyau et le berger, capable de dire, voilà ce que ce soir Dieu nous veut. Qu'on entend l'ensemble de vos prières,
qu'on entend les lectures. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Est-ce que le pauvre Dieu a le temps par le Saint-Esprit de placer un seul mot? Tellement nous parlons, tellement que nous demandons, que ce que nous disons crie tellement fort qu'on n'entend plus ce que le pauvre Dieu aurait pu, par son esprit, nous dire. Membre du renouveau, nous allons faire nos démonstrations de prière, où nous allons à la prière pour laisser Dieu nous parler et accueillir ce que nous dit, afin d'en vivre et pouvoir dire aux autres, voilà ce que Dieu fait, voilà comment la prière m'a transformé, m'a amené aujourd'hui à changer de vie. Il y a des gens qui écoutent la prière, l'évangile, même la prédication du Père, en disant, ah, si ma femme était là, ah, si mon frère l'a écouté. Jamais Dieu porte devant toi pour les autres. Dieu parle à chacun de nous. Quand on lit la Bible, quand le Père parle, chacun nous dit, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire, de faire, de changer? Et non pas, ah, c'est dommage. Hé, telle personne n'est pas là. Non. Bon, comme on me signale que l'heure s'avance, j'ai souligné ça concernant la prière. Un autre problème concerne dans l'assemblée de prière avec ce problème. Un autre élément, oui, on va aller. Renouveau, retraite, Sénac, 16 semaines. Le renouveau a reçu la grâce d'organiser les 16 semaines des retraites et de participer aujourd'hui à la Sénac. Préoccupation tout de même, à l'expérience de tout ce qui se fait et se voit. Le renouveau doit tirer des leçons et s'attacher davantage à prévoir des retraites d'intimité réelle avec le Seigneur. Le renouveau ne doit pas se spécialiser dans la retraite de délivrance, dans la retraite de ceci, pour accueillir un mariage, pour avoir du travail, pour le sinon. Sont, comment organiser une retraite d'intimité avec le Seigneur? Comment faire pour que quelqu'un se mette vis-à-vis, cœur à cœur, toi et moi? Toi, Dieu, tu dis quoi? Moi, je parle depuis là. Toi, Dieu, tu parles depuis. Je n'écoute pas. Aujourd'hui, tu dis quoi? Je veux écouter. Comment organiser une retraite d'intimité avec le Seigneur pour nous différencier des autres retraites qui prennent le nom de retraite, qui sont les sessions de délivrance, qui sont tout ce que vous voulez, sauf vraiment des retraites? Autre chose que je vais évoquer, le renouveau et l'évangélisation. Le renouveau doit évangéliser. Doit évangéliser les non-baptisés, et même les baptisés, et même les confirmés, et même les renouvelés. La parole de Dieu doit être proclamée par le renouveau. La parole de Dieu, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ, le Verbe fait chair, qui doit être annoncé à tout le monde. Et le renouveau, pour ce faire, doit s'appuyer sur les moyens modernes, sur les qualités humaines, les dons, les charismes et les expertises accordées par le Seigneur à ses membres. Le renouveau doit faire cela. Problème. Comment faire et que faire pour que l'usage des techniques de communication persuasive, des techniques de marketing et de publicité, des techniques de vente aux enchères n'induisent pas et ne réduisent pas le renouveau à devenir ou apparaître comme un agent commercial, un agent de publicité, sans toujours y prendre garde, ni en avoir pleinement conscience. Le renouveau peut se prêter allègrement ou avec légèreté à vendre comme de saints produits, des grâces du Seigneur, les dons et les charismes du Seigneur, les bénédictions, la grâce du mariage, venez prendre votre grâce du mariage, la grâce de la réussite, venez prendre votre travail, la grâce de réussite aux examens, la réussite scolaire, la réussite professionnelle, à la mine n'étudiez plus, venez plus pour vous, vous aurez votre bac. On entend ça à Radio Espoir. Comment faire pour qu'on dise aux gens, venez acquérir et vous approprier des grâces à votre disposition. On prie pour vous, vous aurez tout ça. Sans état d'âme et sans des précautions, que faire
pour que le renouveau lui-même ne pratique pas des manières de faire plus ou moins douteuses, et cela sans se demander si ces manières de faire sont dans la pratique authentique, honnête. Est-ce que pour le besoin de la cause, la fin justifie-t-il les moyens? Mes frères et mes sœurs, je vais terminer. Parce qu'on dit, les Bible disent, on voit tout, on n'est pas tout. À quoi ça fait, on n'est pas tout. Et puis on dit aussi, j'ai terminé par là, conclusion, pour travailler aux œuvres de Dieu et se renouveler lui-même, le renouveau charismatique catholique a besoin de réaliser que les serviteurs de l'Évangile sont des instruments quelconques aux mains du Seigneur. Ils travaillent simplement pour lui, au service de leurs frères, avec dévouement et désintérêt. Il n'y a pas à manger au crochet du renouveau. Grâce au renouveau. Désintérêt. Pour travailler authentiquement aux œuvres du Seigneur et dans l'Église catholique, le renouveau charismatique a besoin de réaliser qu'il doit toujours demander de recevoir et d'accueillir tout de la part de l'Esprit de Dieu. Qu'il a besoin d'accueillir les grâces de renouvellement, les grâces d'humilité, les grâces de conversion, les grâces de sanctification qui s'alimentent de la parole de Saint Jean-Baptiste, qu'il grandisse et que je diminue. Que Jésus-Christ grandisse et que le renouveau diminue. Nous ne travaillons pas pour la gloire du renouveau. Nous travaillons pour une personne. Il s'appelle Jésus-Christ. Moi, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Je le connais. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas dire que je l'ai renié. Elle m'a donné de ma vie. Je ne comprenais plus rien. Au moment où je voulais me faire prêtre, je ne comprenais plus rien. Je ne connaissais plus. J'étais à Niama ici. Je l'ai déjà dit. J'ai porté la soutane ici. Je ne comprenais plus rien. Je ne croyais plus en Jésus-Christ. Je ne croyais plus en Dieu. J'ai dit non, alors que je savais que je devais aller à Rome. Pour les études. Un prêtre à Rome, le grand séminariste, c'est le prochain évêque, probablement. Je suis parti parce qu'il était sérieux. J'avais un accompagnateur, un directeur, le père Le Crinch. Je lui ai dit que je pars. J'allais voir dans ma paroisse l'abbé Daniel, qui était du village de Kodjo. Je m'en passais mon curé, l'abbé Paul Kodjo, mon Seigneur Kodjo, était en voyage. Et comme Daniel était fils de Yogobé, à Bakan, c'est le dernier prêtre avec qui j'ai parlé. Quand je lui ai dit la raison pour laquelle je m'en vais, il dit, on ne peut pas t'arrêter. Je suis parti de 67, je suis arrivé à l'université d'Abidjan. J'avais jamais, j'ai fait une école publique, jamais fait de lycée, parce que je suis parti au séminaire, après CE2, CM1, c'est lui qui a ouvert le séminaire de Gagnoua, en 56. J'ai fait 11 ans. Je suis arrivé à l'université, je ne connaissais personne, humble. Je ne savais même pas ce que j'allais faire. Les choses de Dieu. Quelqu'un que j'ai rencontré, je vous assure, je ne l'ai jamais plus rencontré. Il m'a dit, on vient d'ouvrir la sociologie et politique. La filière de sociologie et politique. Tu préfères ça? Et j'y suis allé comme ça. Je ne l'ai plus revu. Et j'ai fait. Après, on ne peut pas te dire. Bref, je n'allais plus à l'église quand j'arrivais en France en 68. Je n'allais plus à l'église. Mais je disais, Seigneur, si tu existes, il faudrait un jour me récupérer. Il faudrait un jour me récupérer. Et le Seigneur s'est servi du renouveau charismatique. Voilà pourquoi je n'aime pas qu'on détruise le renouveau charismatique, qu'on dévisage son visage, qu'on en fasse quelque chose qui n'est pas bien. Moi, Paul,
ma deuxième conversion est venue du renouveau charismatique et des hommes du plein évangile, le full gospel. Frère Simon Adieu est venu me demander, Paul, tu veux m'aider à écrire le full gospel. Donc, en même temps que j'étais vice-président national full gospel, je vais au renouveau. Deux enseignements. Excusez-moi. Un enseignement sur l'amour de Dieu, donné par Marie-Pierre Lloyd, qui est devenue aujourd'hui laïque consacrée. J'ai entendu cette petite fille parler. Elle est claire. J'ai cru que c'est une antillaise. Je lui demande, tu es religieuse. On dit non. Elle est étudiante en première année à l'université. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une petite fille comme ça, qui a parlé comme ça. Donc, leur Saint-Esprit leur a fait agir. Le second enseignement, Victor Atangba, vient parler de Jésus sauve. Je suis foudroyé. Mon chemin de la masse, je l'ai reçu là. Celui-là, il est quoi? Il dit non, il travaille. Il a son cheminant. Atangba, nous sommes ici en retraite. Atangba, il dit, ton peut te voir. Il m'a dit, je sens. Le Christian me dit, d'être prêtre. J'ai dit, Seigneur, si Dieu n'était pas Dieu, si tu es moi seul, avec la qualité que tu as en tant que laïc, ce serait mieux. Si moi, on m'avait dit que tu es prêtre, je n'ai rien su. C'est parce que j'étais qu'un petit jeune homme laïc que ça m'a touché. Mais si c'est Dieu qui dit, Atangba, aujourd'hui, prêtre jésuite. Le Seigneur s'est servi d'eux. Et donc, voilà comment c'est en 83 que je suis venu. Je suis allé à la paroisse. On me dit qu'il y a une retraite du renouveau. Je ne connaissais pas le renouveau, mais je connaissais mon retraite. Comme j'étais de bonne volonté, je suis allé pour voir, mon Seigneur, tu peux me récupérer. Je suis allé à la paroisse. Je vois des collègues universitaires. Et dans mon cœur, le Seigneur me fait voir, mais tu n'es pas seul intelligent. Tu vois des camarades qui sont professeurs d'université comme moi, qui vont à l'église. Bref, le Seigneur m'a choisi. Et aujourd'hui, depuis 83, je crois plus que quand j'étais au séminaire. Que son nom soit béni et qu'il bénisse le renouveau et qu'il le renouvelle. Amen.